Aujourd'hui, nous voyons comment créer une liste déroulante pour notamment cette colonne C, où nous souhaitons indiquer le sexe des personnes de la liste. Alors pour cela, la solution est assez simple. On va pouvoir sélectionner les trois lignes ici, donc la ligne 2, 3 et 4 dans la colonne C, et nous allons pouvoir nous rendre après sur l'onglet Données et sélectionner ici Validation des données. Cela va nous ouvrir une petite fenêtre dans laquelle les options nous permettent de sélectionner ce que nous souhaitons avoir comme proposition dans ces cellules. Donc nous, en l'occurrence, nous voulons une liste que nous avons préétablie et donc que nous devons retrouver, c'est-à-dire que nous devons indiquer au système la source de cette liste-là ici. Donc on va cliquer ici sur petit bouton là et se rendre sur l'onglet paramètres où nous avons mis dans la cellule A1 et A2 les possibilités que nous souhaitons prendre pour cette cellule. En cliquant sur le petit bouton ici à droite ou en retapant sur Entrée, nous revenons à petite fenêtre de paramètres précédente. En cliquant sur OK, nous venons de valider notre saisie. Et effectivement, ici, quand nous arrivons sur les cellules C2, C3 et C4, nous avons le choix d'indiquer soit un sexe masculin, soit féminin parmi cette liste déroulante.